Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon avancée coloriage d'août 2023, partie 2. Et oui, vous avez bien entendu, c'est pour ça que j'essaye d'avancer. Comme pour l'instant, je suis en arrêt avec ma grossesse. Comme c'est pas trop ça avec ma tension, etc. Et là, je commence à avoir des contractions depuis lundi, alors que je suis qu'à 5 mois et demi. Donc, assez compliqué, j'avoue. Donc, c'est parti. Alors, dans le livre Milly Marotta d'Ilan Neal. Faut que je fasse aussi une vidéo de mes coloriages terminés. Je pense que je la ferai après. Du coup, mon avancée. Donc, pour mes petites tortues. Donc voilà, je commence les fleurs. Donc j'ai décidé de faire rose et vert. Voilà, je voulais rester dans le thème. Voilà, je sais que les mandalas, faut pas trop faire de couleurs. Enfin, moi je trouve personnellement que plus on met de couleurs, moins c'est joli. Donc voilà, après chacun sa façon de faire les mandalas et tout. On peut faire en dégradé aussi, je trouve ça aussi assez joli. Mais voilà, du coup moi je reste dans le rose. Ensuite, la queue de mon oiseau rouge feu là. Voilà, elle avance super bien. Il y a une partie de la queue qui est bientôt terminée. Donc je vais pouvoir terminer l'autre partie et m'attaquer à l'oiseau. Et ensuite les petites fleurs et le tronc de l'arbre qui reste. La branche d'arbre plutôt. Donc voilà, ça rentre trop bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous préférez. Ensuite, mon petit paresseux, bah, j'avance mes arbres hein, qui me prennent une éternité avec tous les détails. Mais franchement, ça rentre trop trop bien. Le petit canard que je reste dans les tons vert, marron et orange. Et ensuite, du coup, ma double page, mon oiseau. Voilà, que j'ai bien avancé. J'ai fait des dégradés de bleu. Voilà, donc c'est la double page hein, pour vous dire à quel point elle va être longue. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, dans mon livre Mandala Disney sans coloriage. J'ai quasiment fini les petites toiles d'araignée là. Donc après je vais m'attaquer aux fleurs et après bah, il sera quasiment fini. Hein. Bah oui, du coup, je suis trop contente. Enfin un de fini, ils sont super bons ceux-là. Et voilà mes paniers en osier sur la belle et le clochard. Donc évidemment, plus on va avancer, enfin dans les mois, plus il y aura de coloriage à montrer. En espérant qu'il y en ait certains qui soient finis à la fin de ce mois-ci. Mes aristochats, j'ai commencé les petites statuettes dorées des chats là derrière. Et Nemo, du coup, j'ai continué les coquillages que j'ai fait en dégradé de jaune à orange, rouge et rose et violet, je pense. Voilà. Hop. Ensuite, dans le Mermaid in Paradise de Denise Klett. Lui aussi, je l'avance super bien, je trouve. Donc, la page de garde. Bientôt je m'attaquerai au fond, il ne me reste plus qu'à finir la serviette, le petit haut de maillot de bain. Là il me reste un petit truc aussi, j'ai vu. Et après bah du coup je m'attaque au fond. Faut que je fasse aussi le titre. Ensuite mes petites feuilles que je ne vois pas le bout. Donc là j'ai commencé cette partie là et après je vais finir ça et après je m'attaque à là. Donc voilà, c'est très très long. Hein. Hop. Mais j'aime beaucoup le rendu. Ensuite... mes petits icebergs, je pense que c'est lui que je vais finir en premier. Donc voilà, hop, j'ai continué mes petits icebergs avec mes phoques. Je sais pas encore quelle couleur faire les phoques, c'est pour ça que je ne les ai pas fait. Et enfin, c'est bon après, hein, il me semble. Non. Avant dernier, du coup, la petite sirène, voilà, que j'ai avancée. J'ai fini le haut du maillot de bain et j'ai commencé sa barrette dans les cheveux. Et voici mes petits totems du coup. Donc voilà, j'en suis en train d'en faire un. Je vais les faire un par un parce qu'en fait je sais pas trop les couleurs que je vais faire dans celui-ci. Mais je le vois très pep, c'est très coloré aussi. Enfin ce livre-là, de toute façon je le vois très pep, c'est coloré. Ensuite, dans le frère et sœur, comme vous le savez, c'est celui que j'avance où j'avance le plus. Donc... comme vous pouvez le voir, hein, j'ai bientôt fini celui-ci avec les triplés dans La Belle et la Bête. Il ne m'en reste plus que deux en cours dans celui-là, donc je suis contente. Et voici Riri, Fifi et Loulou qui avancent super bien aussi. Voilà.
Ça fait du bien, c'est des livres pas trop compliqués des fois, on se prend pas la tête. Cendrillon et le bal d'Halloween d'Amandine Jung, du coup. Alors, j'ai lesquels à vous montrer? Il y en a un que j'ai bientôt fini, il me semble. Ouais. Donc c'est la dernière fois que vous le verrez, après ce sera terminé. Donc je pense que je vais le finir ce mois-ci, celui-ci. Et j'ai tellement hâte, voilà. Donc je suis trop contente de l'avancée, du rendu. Alors celui-là qui est pas du tout terminé, mais que j'avance, hein, la chevelure de Cendrillon. Celui-ci aussi, j'avance bien. Je pense pas le terminer ce mois-ci, mais peut-être, je sais pas trop. Le mois prochain peut-être. Alors celle-là, je l'avance super bien pour que je l'aurai terminé ce mois-ci. Voilà ma citrouille, donc avec la citrouille d'avancée, ça rentre trop bien, je trouve. Voilà, je l'ai fait hyper coloré, hyper peps, un bel orange. Ensuite, la chevelure de la sœur, enfin de la belle, enfin de la belle sœur de Cendrillon. Hop, je l'ai avancée. Et ensuite, et enfin du coup, la chevelure de Cendrillon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, dans le Babies, celui où j'avance le plus quand même, mine de rien. Et ben j'ai fini Mickey, du coup, le bébé Mickey. Et je vais entamer celui-là. Voilà. La page, du coup, 20. Je suis à 20% du livre. Enfin, 19% du coup. Dans le mythographique aquatique de Joseph Quintinban. Alors celui-là aussi est très long, mais avec tous les détails, c'est normal. Hop, alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait les algues en vert. Je sais pas si vous allez voir. En bas, là et là. Voilà. Et enfin, là, j'ai continué. Ah oui, j'ai continué les petits ronds dans l'étoile de mer. Donc oui, c'est une petite avancée, mais je vais faire élément par élément parce qu'en fait, je sais pas encore ce que je vais faire pour le reste. Donc j'essaye de voir ce que je peux faire et avancer petit à petit. Et ensuite mon tigre, j'ai fini les petites bulles. Et j'ai commencé les algues. Voilà, j'ai fini les bulles bleues comme d'hab. Et j'ai commencé les algues en bas. Voilà, je vais faire élément par élément parce que sinon je ne me retrouve pas dans ces dessins-là. Ensuite, dans le bloc fête, le grand bloc fête de Disney. Alors j'en suis toujours avec mes carreaux pailletés là de glace. Voilà. Donc j'en suis à la deuxième partie de la fenêtre, donc ça avance plutôt pas mal. Et ensuite dans le Cendrillon, j'en suis là. J'ai commencé les oiseaux. Parce que je ne sais pas encore faire comment la robe. Je vais la faire bleue de toute façon. Mais voilà, et après j'ai tout le fond à faire. Les carreaux de carrelage. Et enfin, du coup, Elves in Wonderland. De Marcos Chin. Donc il n'y en a qu'un hein, parce que c'est le nouveau qui est commencé. Donc voilà mon petit champignon qui avance plutôt pas mal. Voilà, donc il est très long aussi parce qu'il y a beaucoup de détails, mais il est très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà pour mon avancée coloriage d'août partie 2. J'espère avancer aujourd'hui pour pouvoir vous faire une partie 3 peut-être demain, où je vous ferai des box peut-être demain et après-demain. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!